Bonjour, bienvenue dans Fricade. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose d'un petit peu particulier. C'est pas des exercices, on va faire une petite pièce. La pièce que vous voyez ici à l'écran. Alors cette pièce, elle va nous servir sur la machine d'un snapmaker. Elle va se fixer ici par ce trou-là autour du tube laser. Et ici, dans ce trou-là qui est un trou oblique, on va glisser un tube qui va se rapprocher de la surface pour envoyer de l'air, un jet d'air sur le point d'impact du laser. C'est ce qu'on appelle un air assist ou assistance d'air qui permet de nettoyer et de ne pas brûler la surface. Alors cette pièce-là, vous voyez, elle est quand même un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on va commencer. Alors ça c'est la pièce que j'ai déjà faite, mais on va la refaire pour vous montrer comment on fabrique ce genre de pièce avec Fricad. Ça vous prend, allez, au grand maximum 1 heure pour faire une pièce comme ça, hein. Donc il n'y a pas de souci. Alors, hop, on va recommencer. Donc on va faire fichier, nouveau, créer un corps, créer une esquisse, ça vous connaissez, plan XY, voilà. Ok. On va réduire. On va placer le plan. Voilà. Alors, pour dessiner cette pièce, la première fois, je l'avais fait en 2 parties, puis ça m'a posé des problèmes. Donc, en fait, on va l'utiliser la fonction polyligne qui est ici. Alors, on va faire la pièce un petit peu à l'arrache. Voilà. Et on redressera tout après. N'inquiétez pas, on mettra des côtes. Même si c'est pas droit, que c'est pas parfaitement, n'inquiétez pas. Voilà. Hop, là, on va l'augmenter un petit peu. On va la déplacer pour la remettre au milieu. Comme j'ai une grosse ouverture au milieu, je vais la placer tout de suite dans mon esquisse pour ne pas être embêté à la replacer plus tard. Pour l'instant, c'est pareil. Je vais la placer un petit peu à l'arrache et on va voir pour les côtes ensuite comment on va faire. Hop, échappe pour sortir du mode édition. Alors, ici, j'ai déjà fait le plan de la pièce. Vous voyez, ça, c'est le plan de la pièce que j'avais fait. Donc, ici, ça fait 40 mm par 30. Et cette pièce-là est un peu plus courte, elle fait 20 mm. Donc c'est ce qu'on va donner comme cote. Alors, déjà ce qu'on va faire, on va. Les pièces là sont droites, donc hop. Tac, on va créer une contrainte parallèle. Ici aussi. Parallèle. Ici. Ah non, ça ne va pas, vous voyez. Là par contre, elle n'a pas voulu parce que la contrainte parallèle m'enlève le truc. Donc je vais annuler la dernière contrainte. Voilà. En fait, on ne peut pas faire une contrainte sur une pièce plus courte puisque, étant donné que je l'ai fait parallèle, cette côte-là devient équivalente à cette côte-là. Donc on va la laisser comme ça. Tac. On va commencer à donner des côtes. Donc là, on a 40. Ici, on a 30. Ici, on a 20. Ici, on a 30 moins 20 divisé par 2, ce qui nous fait 5. Alors c'est pas la peine de faire les deux, il suffit d'en faire une et puis l'autre code va automatiquement s'aligner dessus. Voilà. Hop. Le cercle. Hop. Alors, on va déjà lui fixer le rayon. On va. Hop, pardon, on va lui fixer le rayon.
c'est un trou de 16 mm, donc on va fixer à 8 mm. On va donner la contrainte de ce point-là par rapport à cette côte-là, qui est la moitié, donc 15 mm. Et on va mettre la contrainte de ce point-là à cette côte-là. Il faut la faire un peu plus longue parce qu'ici, on va avoir la fente pour pouvoir resserrer la pièce. Donc, comme on a 40, on va lui mettre 25 mm. Voilà. Là, on a notre pièce. Ici, on voit qu'on est un petit peu trop long par rapport à ce qu'on voulait faire au départ. Je vais reprendre mes côtes sur l'autre. Vous voyez que là, on est à 26 mm, bon, 26,30. Voilà. On va remettre les mêmes côtes. Voilà, donc on a notre pièce, notre première esquisse qui est faite pour le pour pouvoir faire notre pièce, excusez-moi. Donc maintenant, on va sortir de l'esquisse. Là, on va se mettre en vue. Voilà, on va créer une protrusion de 10 mm, c'est très bien. Donc on va le faire comme ça. Voilà, là on est déjà une bonne partie de notre pièce. On va la rapprocher, on appuie sur le bouton de la souris du milieu, bouton de milieu de la souris, et on tire. Ici, on va créer un petit chanfrein au bord. Pourquoi ? Parce que quand on va insérer la pièce, ça sera plus facile avec un chanfrein. Et il faut absolument le faire pendant que la pièce n'est pas ouverte. Parce que sinon, le chanfrein va s'appliquer partout. Et on ne le veut que sur ce côté-là. Donc, hop, on va faire un petit chanfrein de 1 mm, ce qui est suffisant, c'est juste pour pouvoir insérer notre pièce. Voilà. Donc là, on a pour l'instant fait, déjà, vous voyez, on a déjà fait une grosse partie de notre pièce. On va ensuite faire le trou qui perce sur ce côté-là. Donc on va se mettre là, on va se faire créer une esquisse. On va faire un trou de 4 mm ici. Hop. Il faut qu'on centre ce trou-là par rapport à ce bord-là. Mais vous voyez, là, on ne peut pas. Parce que on est sur une esquisse, on ne peut pas réutiliser les arêtes de l'autre esquisse. Donc là, il va falloir utiliser une astuce, tout simplement, qui est de créer une géométrie extérieure. Vous voyez, cette icône ici, qui sert à ça. Créer une arête liée à une géométrie externe. Donc je clique là-dessus, je viens chercher cette arête-là. Je viens chercher cette arête-là. Voilà. C'est tout. Ça suffit. On n'a pas besoin de plus. Et ça va nous permettre de pouvoir travailler par rapport à notre côte. Sachant qu'on a un trou de 4 mm, qu'il faut qu'on puisse un petit peu le centrer. Ici, ça fait 10 mm. Donc, on va le mettre à 5 par rapport au bord. Donc, on choisit le point là. Ça. Et on va le mettre à 5 mm. Et ici, on va faire pareil. Ce point-là, par rapport à cette côte-là, 5 mm. Voilà, on va... Je vais tirer un petit peu les côtes pour qu'on voit. Voilà, là on voit qu'on est parfaitement centré par rapport à ce qu'on voulait faire. On a fini pour cette esquisse-là. La géométrie externe, vous inquiétez pas, les traits de géométrie externe ne sont pas pris en compte. Ils ne servent uniquement qu'à la construction. Hein. Ça va disparaître. Alors, ensuite, on ressort de l'esquisse.
on va prendre ce trou là et on va lui dire cavité. On pourrait faire perçage aussi, hein, mais on va lui dire cavité comme on a déjà fait le diamètre. On va lui dire à travers tout. Et voilà. Hop. Maintenant, si je prends ma pièce ici, voilà, je vois que je suis bien percé d'un côté à l'autre. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre pièce. On va reprendre cette face-là et on va venir faire une esquisse. Là, on va prendre un petit rectangle. Alors là, je vais pas créer de géométrie externe. On pourrait créer une géométrie externe, mais je vais pas la créer. On va faire comme ça. Tac. Ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, je vais ressortir de mon esquisse. Voilà, j'ai ma géométrie externe. Et ça, je vais faire une cavité. Et je vais faire à travers tout. De façon à ce que ma pièce soit ouverte. De façon à ce que quand on serre la vis ici, les deux bords se resserrent. Et ça resserre la bague pour qu'on puisse venir tranquillement faire. Voilà. Là, si je regarde, voilà. Vous voyez, j'ai 90% de ma pièce. Voilà. Maintenant. Un gros morceau, on va attaquer un morceau beaucoup plus compliqué là. Je vais faire OK. Il va falloir que je fasse un trou ici qui soit en biais. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas indiquer un plan incliné sur un plan droit. Donc, il va falloir créer un plan et l'incliner. Mais vous allez voir, c'est pas non plus impossible. Donc, on fait ça tout de suite. Là, on va maintenant essayer de percer selon un plan incliné. Ce que je vous ai dit, là, on ne peut pas percer incliné par rapport à un plan droit. Donc, il va falloir recréer un plan. Donc, on va prendre la pièce. On va créer un plan de référence. Voilà. Plan de référence. Voilà. OK. Maintenant, je vais me remettre en biais. Le plan, ce plan-là, actuellement, il est parallèle à ma pièce, il va falloir que je l'incline. Alors pour ça, il y a, dans la boîte placement, vous voyez, il y a axe de tangage. Je vais pencher mon axe à 45 degrés. Alors, parce que je veux 45 degrés, j'aurais pu le faire à 30 degrés si j'avais voulu un angle de 30 degrés. Et maintenant, par contre, il faut que je vérifie si je suis toujours bien centré par rapport à ma pièce. Non, je ne suis pas centré, donc hop, je vais déplacer. Voilà, pour me remettre au milieu. Je vais me remettre. Voilà, et vous allez voir que mon plan, voilà, mon plan maintenant se passe à l'incliné par rapport à ce que je souhaitais. Alors, hop, il est un petit peu trop bas. Non, je vais remettre un petit peu de. Voilà. Je vais me redonner un petit peu de marge. Hop. Donc maintenant, je vais créer une esquisse sur ce plan-là. Comme le trou va être droit par rapport à ce plan-là, fatalement, il va se retrouver incliné de 45 degrés par rapport à ma pièce de référence. Donc maintenant, là, on fait OK. On fait créer une esquisse. Hop. Alors vous inquiétez pas, vous voyez, on est un petit peu sur l'ambiance, mais ça c'est pas bien grave. On va mettre en vue de dessus.
Je vais lui mettre une contrainte de diamètre, comme on le fait habituellement, de 4 mm. Alors attention, non, c'est un rayon, donc je vais mettre 2 mm, pardon. Voilà. Je vais me remettre sous ma vue 3D. Maintenant, on voit qu'on a bien notre esquisse sur notre plan par rapport à notre pièce. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, alors attendez, hop, on va fermer ça. Tout simplement, on va choisir hop, le trou. On va faire créer une cavité. C'est ce que je vais faire, créer une cavité. Je vais lui dire à travers tout. Et je vais lui dire symétrique au plan. Voilà. Donc là maintenant, on a bien notre trou. Alors, pour enlever le plan parce qu'il va nous gêner, vous appuyez, vous sélectionnez, vous appuyez sur la barre espace. Voilà. Hein. Space key. OK. Voilà, maintenant on a bien notre pièce avec notre trou qui est en biais. Excusez-moi. Voilà, on a bien notre trou qui est en biais à 45 degrés par rapport à notre plan incliné. Voilà. Voilà. Ensuite, si vous voulez souhaiter imprimer cette pièce-là, comme habituellement, on choisit la dernière vue, Pocket, on fait Fichier, Exporter, et là, on le sauve en STL.STL, et on peut l'imprimer directement en 3D. Voilà. Hop, alors, vous avez vu tout à l'heure que j'avais fait un plan. Là, je vais vous expliquer mais très brièvement comment on fait pour faire un plan, mais c'est très simple. Hop, on va se remettre en vue de dessus. Voilà. On va tout simplement, là on est dans l'atelier Part Design, on va aller dans l'atelier TechDraw. Hop. Voilà, on se retrouve dans l'atelier TechDraw. Là, on va créer une nouvelle page. OK. Actuellement, vous voyez, c'est une feuille de dessin, il n'y a absolument rien. Et ce qu'on va faire, eh bien, tout simplement, on va importer des vues. Alors, c'est normal puisque j'ai pas choisi la pièce. Voilà, vous voyez. Et après, là, j'ai ma vue de dessus. Je peux avoir mes vues comme je le veux. Voilà. OK. Là, je choisis mes vues. Si je veux rajouter des cotes, je peux rajouter des cotes, tout simplement. Hein. Alors, c'est très simple. Hein. Pour rajouter une cote, on prend... Hop, un trait, on prend la cote ici et on l'a. Vous voyez, hop. Voilà, c'est très simple. Et on peut le faire pour absolument pour tout. Et un diamètre, c'est pareil. Là, je veux le diamètre de là. Alors, c'est un cercle complet, donc je ne vais pas demander le diamètre, mais je vais demander l'arc. Vous voyez, hop. Voilà, et je peux créer tout mon plan complet avec toutes mes cotes. Ici, quand je choisis ma vue, vous verrez qu'il y a également... ici, Squall, qui est l'échelle, là, hein. Si je l'augmente, ou s'augmente mon échelle, bon après je suis sur un A4 donc je ne vais pas l'augmenter, donc on peut faire notre plan de pièce complet, avec toutes les cotes que l'on veut. Et petite particularité, si on veut voir les traits cachés, ici vous avez Hard Hidden, hop, on met en vrai, et vous allez voir ce qui se passe. Tous les traits cachés se retrouvent là actuellement. Pareil pour ici. Si je le mets en vrai, vous allez voir, trou. Voilà, tous mes traits cachés se retrouvent dans ma pièce. Voilà, donc on a fini pour notre pièce, notre plan. On a absolument tout pour travailler. Voilà, bah j'espère que ça vous aura amusé cette petite vidéo. Merci, bonne journée, au revoir.